La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo-Kiese, s'est entretenue le 22 août 2022 avec les enfants du Parlement congolais de 12 provinces de la RDC. Ces enfants du Nord et Sud Kivu, de la Tchopo, de Kinshasa, du Kwilu, du Kasaï central, du Sud Ubangi, du Kwango, du Tanganyika, du Katanga et Olomami mène une campagne de plaidoyer auprès des autorités sur différentes thématiques liées aux préoccupations des enfants. Merci beaucoup pour la parole. Je réponds au nom de l'honorable Tevi Ndundu Diko. Je suis personne vivant avec handicap et qui vient de la périphérie de Lembayembu. La raison de ma participation en ce lieu, c'est de représenter les enfants de la RDC en général et ceux vivant avec handicap en particulier, conformément à l'article 23 de la CDE. Bien, nous avons été reçus par Son Excellence, Madame la Ministre d'État, Ministre de la Justice et Garde de Sceaux. Et dans notre entretien, nous avons abordé les différentes thématiques dont l'administration de la justice et l'exécution des mesures. Dans ces deux thématiques, nous avons abordé quelques points, notamment le règlement à l'amiable des cas de viol et d'autres sous-points comme l'exploitation abusive des enfants dans les réseaux sociaux, médias ainsi que radio et télévision. Nous avons encore abordé un autre point en rapport avec l'insuffisance des tribunaux pour enfants, l'insuffisance des acteurs judiciaires et tant d'autres points qui sont tellement nombreux que nous avons abordés chez l'Excellence Madame la Ministre, Ministre d'État et de la Justice et Garde des Sceaux. Été accueillie à bras ouverts et sur tout ce qu'elle a dit, nous avons reçu ses promesses à bras ouverts et il nous a rassuré qu'elle y veillera sur tout ce que nous lui avons demandé. Et enfin, nous avons procédé à la remise du mémorandum qui lui a été adressé. Ces enfants du Parlement congolais de 12 provinces de la RDC sont convaincus que tous les problèmes exposés à la ministre d'État de la Justice vont trouver une solution dans un bref délai, d'autant plus que Rose Mutombo cherche toujours à organiser son secteur.